Et plop les gens, de retour dans Toy Tactics, et toujours sur la première campagne avec l'Imperium, Benny Vidi. Apparemment c'est un niveau de défense. Alors en recherchant des terres mûres pour la conquête, une légion d'Imperium a atteint une zone une frontière enneigée de leur territoire connu. Non, je ne vois ouais bon il y a c'est peut-être un non c'est juste le bout, il y a pas de neige par ici sur cette carte hein. Ah c'est parce qu'ils y vont très bien. Effectivement, là, il y a de la neige. Ok, ok. Oui, bon, ça reste les succès de... Oula, il n'y a même pas eu le temps de tout lire. C'est dommage. Alors, je vais pas forcément m'embêter à faire un Z à chaque fois, c'est... Ça ressemble... dans l'autre sens, ça ressemble déjà bien. Peut-être pas un peu reculer. Oh, mais ce ne sont que des archers, très bien. Cette fois, on a des archers. Oui. Ah, et on peut changer ici, dire je veux pas ça, mais ça. Et pareil, on peut se rendre compte que là, on a que des archers. Du coup, ils seront pas au corps à corps. Donc ça, c'est mieux. Effectivement. Les archers, c'est quoi l'armure d'Achille. Une armure qui scie un héros. Le fabricant n'est responsable d'aucun dommage subi par les fils. Un petit doute. Oh, les flèches font plus de dégâts quand elles sont tirées de plus loin. Très bien. On change la tactique, on avance comme ça. Comme ça, il y en a qui sont proches, mais il y en aura toujours qui seront loin. Non, c'est nul. Fight. Il faut reconstruire les deux tours. Tuer 5 ennemis avec des sorts et 10 ennemis avec des sorts. Très bien. Est-ce que Legio, ça compte comme un sort? Alors... Je veux bien. Ah oui, effectivement, la dernière fois, il y avait des amphores au-dessus des troupes ennemies. Et ben, go, hein. Non. Ah. Ok. Toi, tu as ta protection qui est dans cette zone, alors tu te mets au milieu de tes troupes. Voilà. De toute façon, tout le monde est à distance. Apparemment, il n'y a pas besoin de s'approcher plus. Reculer, même reculer, reculer. Ton kite, ton kite. Voilà. Oui.
Merci, monsieur Sun Tzu. Caméra qui veut se mettre en mode automatique, hein. Ah oui, les unités vont dedans. Pas de quartier, alors. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir dire à une seule unité de venir ici. Non. Alors, voilà, je veux tout le monde ici et une unité là-bas. Alors pour le moment, tu touches pas ça. On va essayer de faire ça, hein. Ah bon. Ah. Oui non, c'est bien là, c'est bien là. Ah, c'est un nouveau conseil qui apparaît, c'est ça? Ah, il y a un coffre ici, d'accord. Oh, brave soldat, va récupérer le coffre. La coupe de Dionysus. Courage, fuis. Ah, peut-être trop tard. On a déjà tué 8 ennemis avec des sorts. Je sais pas où est la deuxième tour à conquérir, mais... à reconstruire plutôt. Et ce gros sort pour ça, quoi. Si. Voilà, très bien esquivé. Ok, la vague finale. On est prévenu. Voilà, on a tué tout le monde. J'ai peut-être utilisé trop de sorts, je pensais que c'était fini, mais... je pense pas que ça va changer grand-chose.
Chiméra, c'est bien, mais pas dans ce matin. Encore trop près. Ah, ça va, ça va. Henri V, les ennemis ont rencontré leur fin grâce à toutes les flèches tirées par ce peu. Ce joyeux peu, cette bande de frères. Hibernation, repart je suppose, loin. Alors on a 4. Ah d'accord, les ennemis s'approchent en plus, d'accord. Les amphores c'est bien, mais si les ennemis pouvaient s'approcher, ce serait encore mieux. Très bien. Du coup c'était marqué quoi? Explosus porcus. Ces petits cochons ont trop mangé. Les petits cochons. Light match. Allume les. S'allume. Allume les allumettes. Et ce petit cochon. Ah, au secours, cours. Diopet. Ah oui, oui, petite météorite, effectivement. Les ennemis seront stun par. Seront. Éblouis. Par ébahis par la vue. Et puis, littéralement, une bande de cailloux vont arriver de l'espace. Ok, très bien. On va débloquer ça, juste pour la conscience de l'avoir débloqué. La tour, c'est quand même agréable. On va prendre... On verra. Ok, bon, j'ai pas trop compris pour le moment. La catapulte, ça donne envie. Hein. Je vous rejoins là-dessus. J'ai plus le budget, donc on va attendre de toute façon. Et on a eu ça. Donc à l'époque, un fier crown, une fière couronne. Pour un. Qui sied parfaitement à quelqu'un qu'elle sent chaud. Un leader qu'elle sent chaud du underworld, du sous-monde. Quand la mort est proche, une explosion de fureur envahit votre impérator, ce qui fait des dommages aux ennemis proches et régénère sa vie. Par contre, ça ne peut être utilisé qu'une seule fois par bataille. Et la coupe de Dionysos... quiconque tient cette coupe aura le pouvoir éternel aura le pouvoir de l'éternel parti.
À la fête. Les alliés proches du roi régènent leur vie avec le temps, tant qu'ils ne sont pas au combat. D'accord. Je suis plus de cette équipe-là, moi, mais bon. Là, c'est vraiment envoyer le combat, le roi à la mort et au suicide et qui reviennent bien fort. Là, on essaie de garder nos unités en vie. Oui. Donc, hibernation. Oh, Pendragon. Siège. Laisser les Kinas raisonner, c'est l'heure de conquérir cette forteresse barbare. Où va-t-on? Je crois que c'est exactement au même endroit. Oui. Eh bien, Stronghold keeps a strong grip on this land. Divide and conquer. Alors, à quoi ressemble le champ de bataille? On peut monter ici et avoir une tour, avoir des troupes de renfort. Ça me paraît être un bon plan. C'est quoi ça? Il y a des fous. Très bien. Je protège le coffre. Donc le plan pour moi en tout cas, là aussi on... Ah, c'est une catapulte qu'on peut reconstruire. Pour moi le plan c'est de pas aller là, c'est d'attaquer ici, reconstruire la tour, récupérer les troupes bonus, reconstruire, et là on attaque ici, on reconstruit le... C'est des unités volantes. Ah, c'est juste des oiseaux, d'accord. Reconstruire la catapulte pour qu'elle attaque la forteresse. Il y a des zombies là-dedans. Et pendant que la catapulte commence à attaquer, se faire le coffre. Donc on a l'impérator. L'impérator, c'est lui. Avec tout ça, ouais, je serais plutôt pour qui soigne. On a des soldats corps à corps, des légionnaires et des archers. Très bien. Et ici, qu'est-ce qu'on va gagner? Des légionnaires. Ça me va. Mais vous avouez, c'est peut-être mieux pour vous. Oh, mode photo. C'est pas ça que je cherchais, oui. Il y a dans les options. Par défaut, je veux pas que la caméra bouge, c'est moi qui l'ai. C'est peut-être mieux pour vous, mais non, c'est pas moi qui la contrôle, mais non, elle bouge un peu trop. À mon goût. Elle était bien au début, mais... est-ce qu'on est... Est-ce qu'on est fier de nous? On peut essayer de l'utiliser. À la place de quoi?
flèches, on a du mal. Hein. On va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Comme ça, on pourra essayer de mettre le mur, par exemple, par ici, pour les bloquer en deux, ou les bloquer, eux, à la porte. Oui, quoique, mettre des flèches juste pour ici, ça peut être bien, mais... Mais au pire, on met la lance qui vient du ciel juste pour ces trois gars, hein, c'est pas grave. C'est parti. Il faut donc reconstruire les deux structures. Oui, c'était l'objectif complet. Compléter la mission sans sacrifier aucun des archers. Très bien. Très bien. Donc pour le moment, vous allez là. Non, vous allez là, est-ce que vous avez un conseil? Le chef il ne veut pas. Oui, d'accord. Des fois, le chemin le plus court n'est pas le bon. Moi, on a 24 plus 10. En vrai, je suis sûr que c'est faisable. Donc, le temps d'avoir le mur de pierre. Vas-y, bouge la caméra, amuse-toi bien. Quoique, on pourrait même mettre les archers dans le cercle, comme ça, si jamais ils perdent quelques dégâts. Ils sont dans le cercle bien protégés. Non, il veut pas venir. Ils l'ont eu. Alors la caméra, regardez ce que fait la caméra automatique quand même. Il préfère se mettre dans les branches. Zoomer et dans les branches. Ah oui, et du coup, si on met les archers là-haut, potentiellement, c'est gagné niveau. Les archers ne vont pas mourir. Fairtower, Light sur Archer's Arrow. Oh, les tours avec des flammes. Enflamme nos flèches. Que j'aurais pu les laisser là-haut. Hein. Y a pas de... Non. Y a pas de besoin de faire des sorts. Donc. Très bien. Ça m'a l'air puissant. Donc on va emmener. Ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir faire un clic gauche, clic droit, mais qui ne contrôle pas tout le monde. Structure totalement légie dans le monde de Harry Potter.
Voilà, ça c'est très bien. 54 soldats dans le cercle de régène du... Non, bah du coup les archers, vous allez venir là. Et pour le moment, on va se mettre ici. Oui d'accord, ça s'enlève quand on est trop loin. Et la catapulte tire quelque part. Venez là, vous. Pas besoin de rester en combat pour ça. Elle rebondit bien, la catapulte, quand même. Les boulets de la catapulte rebondissent bien. Mais est-ce que ça fait des dégâts ou est-ce que c'était juste pour taper le mur et qu'en vrai ça fait pas de dégâts? Ah, si, quand même. Ah ouais, ça tire de super loin là les... Bon, les archers ont arrêté de tirer. Y aller, hein. Je me demande si je l'aide. Mais non, mais non. Et vous? Dans le... Ok, ils ont une drôle de manière de faire demi-tour. Venez là, voilà. Ah bah voilà. Ah, et la catapulte tire tout seul, vise les différents endroits intéressants. Très bien. Ah, que se passe-t-il donc ici? Quelques soldats, mais pas beaucoup. L'arc d'Apollo. Bien. Bon alors, on va se mettre genre ici, et on va... bloquer le chemin là. Vous tirez où là? C'est sur le mur, on est d'accord? Non? D'accord, les flèches passent à travers le mur. Ça c'est dommage par contre. Autant le reste je peux comprendre, autant... J'aurais peut-être fallu le faire plus en hauteur. Genre comme ça. Si, c'est bon. Normalement, j'ai pas perdu d'archer. Voilà. William le conquérant. Le chef ennemi est tombé sous vos flèches.
Ça va rappeler au vieux William les légendaires batailles de Hastings. Très bien. Et donc on a eu l'arc d'Apollo. Donc au lieu d'avoir plus de dégâts, plus on est loin, avec, grâce à une armure, on rappelle, hein, c'est pas un arc qui donne ça. Donc l'arc d'Apollo a été fabriqué à partir des rayons de soleil. Maintenant vous pouvez tuer vos ennemis et garder un teint hâlé, sexy. Petite chance d'enflammer les projectiles qui font des dégâts de feu. Ouais. Est-ce que... Allez, on va en faire une. Res at Morte Carlos. Siège. Un groupe de scouts. Un groupe de scouts, d'espions, oui, d'espions, de gens qui découvrent en avance, là j'ai oublié le mot, courent à travers les montagnes pour prévenir l'impérateur ennemi. Chassez-les avec votre cavalerie avant qu'il ne soit trop tard. Mais c'est un siège, donc c'est... Ça ne va... Un siège ne va pas avec l'idée d'une course poursuite. Sven can manage your own units. Oui. Oui. D'accord, les unités mortes par les sorts ne régénèrent pas les sorts. Effectivement, mettre un mur de briques et des amphores derrière pour les amp, comme ça on est moins, quand ils avancent, on est moins bloqué par, enfin, on se loupe moins sur le siège, sur la défense là, ça aurait été pas mal. Oui, ça c'est la base. D'accord. D'accord. Alors la cavalerie, ça doit être eux. Ce Corinthian. Parfait pour, pour les chasseurs endurcis et les guerriers qui connaissent le chemin. Si la cavalerie est proche de la vitesse maximum, ça double leurs dégâts. Un push. Ça double leurs dégâts et le recul qu'ils vont infliger pendant la prochaine attaque, si j'ai bien compris. Donc, il va falloir courir ici. Où les moutons? Ça c'est interactible apparemment. Ah, il y a une catapulte qui va nous embêter. Et un bouton. Coffre est là. Un planqué.
faut qu'on défende le mouton doré. Ouais, bon, ok. Si ça c'est un camp pour recruter, donc on va recruter un centurion, un impérium là, je sais pas lequel des deux. Je connais pas encore bien. Aurait dit lui. Du coup. Oui. Attendez, et des archers. Alors là, ils sont pour le moment en tout cas pas sur les murs. Donc. On n'a pas d'infanterie. Non. Peu de chance d'avoir la hauteur. On n'aura pas la hauteur jusqu'à ce qu'on soit. Jusqu'à ce qu'on ait construit ça. Mais non, ça c'est une catapulte. Pour aller mettre là les archers pour avoir un peu d'hauteur. Ou ici. Mais j'ai pas l'impression que ça va faire beaucoup. Donc on va plutôt prendre ça. Bon bah c'est parti hein. Ouais, on va garder nos sorts pour le moment. Quoique, on peut prendre ça. Hein. Non, on va garder nos sorts. Fight. Donc, il faut protéger le Shinichi et tuer 10 ennemis avec les flèches. Très bien. Square Shaped Button remain rest on activity. D'accord. Et là, c'est Square Shaped, donc ça devrait indiquer aussi. Cavalerie fait plus de dégâts à grande vitesse. Dans la porte, on s'en fout. D'accord. C'est là où le mouton doré devient peut-être plus compliqué à protéger. Non, petit mouton! Protégez les moutons! Ah oui. Ça a l'air d'être bon. On va venir jusqu'ici quand même. C'est ça qui s'est ouvert, effectivement, ça a l'air. Alors, je sais pas si la catapulte peut tirer au corps à corps, mais. Voilà. Non, on va d'abord protéger d'ici. Ils ont pas spawn. Eux non plus.
toujours. Voilà, maintenant voilà. N'importe quoi. Et toi, va ici et tu reviendras. Une charge de cavalerie comme ça, ça peut être pas mal. Hein. Forcément. J'aurais dû m'en douter. J'espère que d'ici ça va pas respawn. Mais... rien n'est moins sûr. Maintenant vous, vous allez là. C'est vous qui pouvez prendre le temps d'aller faire un détour ici. Allez, descendez. Voilà. Maintenant, vous remontez. Le cheval de Troie, la tête du cheval de Troie. Tu vas pas pouvoir mettre beaucoup de soldats à l'intérieur. Hein. C'est moi qui te le dis. Bon alors. Par où on commence et qu'est-ce qu'on fait? En vrai... voilà. Bon alors... on va prendre ce terrain-là. Et eux, ils vont aller de ce côté. Les missions protection ici. Ah, il faut tuer 10 ennemis avec des sorts. J'ai légèrement oublié ça. C'est bon. Le shiny ship il est safe. Et on était en train de défoncer les derniers soldats. Donc l'objectif n'est pas forcément de tuer tous les ennemis.
Jeanne d'Arc. Ah, celle-là, on la connaît. Vous avez trouvé une façon intelligente de faire du dommage à vos ennemis avec la cavalerie. Pourquoi Joan of Arc comme ça? Alors que c'est bien écrit au-dessus. Jeanne d'Arc. Qui a utilisé la même stratégie contre les Anglais serait fier. Et cette morte, Karl. Et du coup, on a trouvé ceci. Donc, là, qui doublait leurs dégâts quand, à la fin d'une charge, à vitesse maximum et le recul. Le cheval de Troie, c'est un cadeau des Grecs. Tous les enfants à Troie veulent avoir l'un de ceux-là. Je veux tester du coup. Quand il meurt, la cavalerie, les unités de cavalerie réapparaissent avec une monture plus amusante. Bien. Le lion et le comment ça s'appelle, le renard. On verra ça au prochain épisode. Je suppose que c'est sur cette île. J'espère que ça vous a plu. Potentiellement le prochain épisode, je pense, vu que là on n'a plus beaucoup de tutos, le prochain épisode ça sera sur la chaîne des jeux du cygne. J'essaierai de mettre la vidéo dans la même playlist, mais voilà, comme ça vous êtes prévenus, vous le savez, la vidéo, je ferai en sorte qu'elle soit dans la même playlist si possible, sinon j'essaierai d'y mettre un lien. Et pareillement dans la vidéo des jeux du cygne, je dirais que ça fait partie du let's play qui est sur ma chaîne. Bah voilà. En espérant que ça vous ait plu, je vous dis à bientôt.